Business Lounge des aéroports ne se distinguent plus les uns des autres. Ils ont la sensation d'être toujours assis. Il faut bien que je continue, oui, et que ce business à Seattle. C'était pas Rome. Je ne sais plus. Je rate, mais s'il vous plaît, plus vite, est-ce que c'est possible? Allons, juste un petit peu plus vite, sinon je rate et ensuite je suis hors jeu. Hors de quel jeu? C'est juste ça la question. Mais je ne veux même pas y répondre, car ça ralentirait le rythme, et j'ai besoin de ce putain de rythme. Sinon je me crache, et toutes ces mesures de sécurité ne servent à rien non plus. Quand on se crache, et basta. Vous pouvez bien enfiler ces putains de gilets de sauvetage quand on s'écrase dans cette forêt. Mais moi je ne le fais pas, putain. Moi non. Plus vite. Connecté. 7, 14, 26. Il n'arrive plus à se rappeler. Il n'arrive absolument plus à se rappeler. Il ne sait même pas tous les endroits où il était dernièrement. Et ce qu'il y a fait, en fait. Comparer des chiffres, évaluer des fluctuations boursières en fonction de données qui... Oui, exactement. Et tout à coup, il s'en rend compte. Et il crie, aussi fort qu'un chuchotement. Il faut que je trouve cette putain de chambre. J'ai besoin de ces dossiers, ces données, ces chiffres, sinon demain s'écroule. Demain, tout s'écroule et ce sera de ma faute. 7, 14, 27. Il titube, se fige, reste immobile, veut s'asseoir. Oui, mais il n'y a pas de chaise. Il veut s'appuyer contre le mur, mais il n'arrête pas de glisser. La matière est instable. Tout à coup, il réalise que l'ascenseur a disparu. Là, il n'en sortira plus. Quête ! Des gens couchés dans des hôtels qui en même temps sont des hôpitaux à séjour courte durée, des maisons de vacances. C'est un hôtel ici. Oui, c'est le couloir, un quartier de haute sécurité où je suis aux soins intensifs, c'est ça? Je suis en vacances ici. Il y a une grande offre de loisirs, moi. La salle de fitness. Tom s'excite sous le tapis de course de la salle de fitness. À côté de lui, 20 hommes qui ont exactement la même apparence que lui. Hardcore avec de sodomie, avec ce soir de lesbienne en cuir. Le Texas par contre, le Texas c'est mou. Il faut apporter ses propres DVD et les mettre dans l'ordinateur, sinon on peut laisser tomber les quelques. Ouais, encore ce genre de voyage à faire. Gémissement d'un porno. Une femme simule un orgasme de folie. Une femme dans une chambre vide. Tout est sombre, lueur de bougie. Elle porte une jupe en cuir et un masque. Quelqu'un lui met. lui renverse de la cire de bougie par-dessus. Elle chevauche une bite en caoutchouc noir. Pendant qu'autour d'elle, une meute d'hommes en costume se branle sur elle. Et là, simultanément, le bruit de 700 hommes d'affaires dans les chambres d'hôtel où elle dort. Welcome home, dirait Clive. Gives you a smile.
cinéma porno, mon fitness club. Je me log. Electronic City, tape mon code que je ne dois jamais oublier parce que sinon je suis perdu, mais... J'habite ici depuis des années, non? La nuit dernière, quelqu'un a été évacué. Deux heures après, quelqu'un d'autre emménagé qui était exactement identique. Échangé. Mais simplement échangé et personne ne s'en rend compte. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Juste une succession d'événements toujours identiques. Depuis des années au moins, non? Je ne sais pas quand tout ça a commencé en fait. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Il chante doucement une chanson dont il se souvient tout à coup. Voix faible, à peine audible. Plutôt un souffle prudent. La voix d'un homme qui ne chante que pour se rassurer. Qui ne chante que quand il a peur. Tout d'un coup, quand il ne sait plus comment continuer, ne sait pas comment sortir d'une situation où il a perdu toute vue d'ensemble. Urgence, là, elle se sentait chez elle. Et en plus,
Schumer. Jean Schumer. Et là, elles se sont regardées toutes les deux, elles ont ri. Et chacune savait exactement ce que l'autre pensait à ce moment-là. Et elles ont répété ce nom, Jean Schumer. Il était plus ou moins évident que cet homme n'avait pas seulement une belle gueule. Il avait aussi, sous la blouse de l'hôpital, de quoi prendre un petit accident. Glousse-moi. Et tu veux encore un café? Non, là, il faut que j'y aille. Ils m'ont déjà appelé. Mais peut-être, oui, mardi prochain, peut-être. Je serai vers Toronto, poste 37B, section A. Tu n'es pas vers Vancouver, par exemple? Tiens, portable. Un clapet Nokia contre son oreille, comme dans le film Matrix. Il regarde l'air avec des airs d'agent secret. Il en rajoute. Tom. Oh là là. Tom. Elle prend son portable, compose un numéro, on entend sonner sonnerie de portable. Retour dans le couloir. Quelque part dans une autre ville, où que ce soit. Debout devant l'ascenseur, encore et toujours Tom. Il attend. Il pleure. Il a pissé dans son froc. Il s'est frappé plusieurs fois au visage pour revenir à lui. La voix off de Tom couvre un océan de chiffres. Des halls d'aéroport, des pièces en enfilade, des lits d'hôtel, des lits d'hôpital, et des cabines porno. Tout se brouille, tout se confond. Le nom, le son d'un ascenseur qui monte et descend à côté de lui. Pendant qu'il se frappe le visage en éclat de rage. Et avec moi 300 000 autres personnes qui n'arrivent pas à l'heure à la réunion là. Sorry. Bon, et maintenant, dégage, un petit. Mais il n'a pas voulu me laisser passer parce qu'il était tout aussi pressé. On se serait presque battu. On devient si agressif dans les aéroports. Les gens deviennent si agressifs dans les aéroports quand ils n'ont pas le temps, quand ils ratent leur rendez-vous. Si désespérés. Quand on est maintenu comme un animal dans une cage, juste avant qu'on ouvre la porte, pendant des heures avant qu'on le rappelle et qu'on le refouille intégralement parce qu'il avait encore une pièce de monnaie ou une clé ou alors son portable dans la poche de son pantalon. Dégage! Je tire sur tout ce qui bouge! Je fous le feu à tout ça! Je vous mettrai en tout! A commencer par toi, salope! Maintenant, je peux oublier ma réunion, la fusion, la reprise d'entreprise, le DAX. Le DAX, vous pouvez l'oublier maintenant. De toute façon, il est très bas. Et pas maintenant. Maintenant, il est vraiment tout en bas. Vous n'avez pas oublié ce que vous venez de faire. Mon chargeur. Merde. Au secours. Où est mon chargeur? Mon portable ne marche pas dans ce fucking cul, bordel. Comment je peux encore faire, moi? Ah, il est putain de business. Je vais transmettre les informations. Donnez vos chiffres. Lance un regard furtif à l'intérieur sans être vraiment sûr s'il s'agit de gag d'une start-up quelconque, ou du tournage d'un film porno, ou d'une émission de télé sur le sexe dans les lieux publics. C'est juste le remake d'une scène de ce docu-soap. Joy's World, the world of joy. Ça ne s'est jamais passé comme ça. De toute façon, ça ne s'est jamais passé du tout. La scène a juste été retournée parce qu'elle a mentionné un truc du genre. Alors on l'a retournée. Mais n'importe quoi. Tout ça, c'est vrai, moi je l'ai vécu, moi, tout ça. Là, c'est Joy qui dit ça, ou la femme qui jouera Joy plus tard dans le film? Dans la série. Elle a eu du succès, la série? Pas trop, elle a été arrêtée très vite. Mais n'importe quoi! La série, c'était le top absolu. Joy's World, the world of Joy. Ah, il y a eu plus de 800 épisodes. Ils ont quasiment refilmé toute ma vie une deuxième fois, c'était dingue! C'était tout simplement génial, et la fille qui m'a joué a fait passer ça de façon assez convaincante. Elle a joué ma vie bien mieux que moi. C'était une meilleure Joy que moi. Quête! Retour sur le groupe d'hommes d'affaires en rayure Hugo Boss et Yves Saint Laurent. De plus en plus mécontents avec leur paquet de sushis, leur petite salade manager, comme on dit, et leur happy fitness drinks à la main. Welcome home. Ne marchez pas. Good. Allez, séquence 17D sur 1, Electronic City, nuit. La voix de Johnny au téléphone distordu électroniquement. Bon, Tom, rappelle-moi s'il te plaît. Sorry, tu es sûrement en réunion, mais
Je n'en peux plus là, je... Bon, il faut que je parle. Que je parle à quelqu'un et il n'y a personne ici. Moi j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Some of them want to abuse you. Some of them want to be Une chanson des Eurythmics tirée du premier album que Joyce s'est acheté quand elle était adolescente. Quelque part à Brighton ou Houston ou Bayern ou n'importe où. Elle attend, ça sonne, pas de réponse. Elle regarde autour d'elle et ce qu'elle voit n'est pas très joli. Une rangée d'hommes furieux en costume, très près de péter les plombs, très près de tout casser. Vous cherchez les moments où l'on peut définir notre société comme civilisée. De toute façon, en ce moment, on ne veut plus du tout définir notre société. Il n'y a pas encore de langue pour cela. Il faut qu'on l'invente dans les prochaines années.